Eh bien bonjour tout le monde et soyez bienvenue dans cette nouvelle session de stream sur EVE Online. C'est Monsieur Otsuya et compagnie, puisque je suis en compagnie de Link ce matin. Bonjour Link et d'Asylium. Bonjour Asylium. Si tu es Salut. dans le coin, voilà, merci. Ravi de vous accueillir pour une nouvelle session exploration ce matin. Normalement, on va voir, enfin ça sera en tout cas plus long que celle d'hier, ça c'est sûr. Donc, on va voir ce qu'on va faire un petit peu ce matin. Mais on est parti donc pour une session jusqu'à environ midi, je pense, midi et des poussières. Donc, c'est parfait. Je vérifie qu'on m'entend bien, qu'on me reçoit bien. Mais tout va bien de ce côté-là. Alors, c'est parti. Let's go. Hop, voilà. Alors. Je vérifie juste que j'ai combien là en stock? J'ai 200 000, 200 millions 900 000 crédits. Parfait. Parfait, parfait. Et ouais, on s'est fait vraiment pas grand-chose hier. Mais quand même, un petit million. Même un petit peu plus, 1 200 000. C'est pas si mal, hein? C'est pas si mal, Link, hein, ce qu'on a fait hier quand même. On aurait pu faire bien plus, évidemment, mais. Pour une petite session d'une heure, c'était pas mal quoi. On est loin des 500 millions que tu fais à Silium, je sais. En une session. Oui. Mais bon, c'est pas grave. En une heure, oui, tu veux dire. C'est ça, en une heure. Ok. Donc je suis toujours avec mon croiseur Roman. Hop, et salut Denis, comment vas-tu en ce dimanche matin? Ouais, j'ai donc mes drones, je vérifie tout ça. Ah, tiens, j'ai des cadeaux. Qu'est-ce que j'ai comme cadeau ce matin à récupérer? J'avais pas fait gaffe que j'avais des cadeaux à réclamer. Ah ouais, mais c'est toujours le même truc, ouais, d'accord, ok. C'est des choses qui ne me servent à rien. Un petit booster de rendement pour un blitz minier. Super. Je ne fais pas de minage. Accélérateur cérébral, ça, je veux bien. Je sais pas si je peux les récupérer. Ah oui, c'est le cadeau de démarrage. Ouais, je suis trop expérimenté. Je ne peux pas le prendre. Ok. Donc on ferme ceci. Il me reste encore un truc. C'est bizarre. Qu'est-ce que je n'ai pas récupéré? Un cadeau alpha. Ah, j'avais un cadeau alpha à défaire. J'ai un booster Mindflume de synthèse. Ok. Quoi ça sert ça? C'est pareil, je dois avoir. Je dois avoir trop d'expérience maintenant. Non, il veut bien le prendre. Ah, il le prend, ok. Du coup, je vais tout de suite voir dans ma file de d'apprentissage où j'en suis. Ah oui, du coup, bah oui, j'ai plus rien dedans. On va mettre des choses. Donc c'est parfait, j'ai appris tout ce que je voulais apprendre sur les drones. On va continuer, je pense, au niveau des drones, parce que j'ai besoin d'expérience à ce niveau-là. Donc je remets des choses. Ah, par contre 9 jours, oui ça va pas le faire. J'ai pas moins si j'ai un jour. Attends, hop, je vais enlever ça. On va mettre gestion de drone léger. Ouais, mais les drones légers, je m'en sers pas. Bon, je vais quand même l'apprendre. Si, je peux apprendre l'avionique des drones. Si, si, je peux l'apprendre. Même le mettre devant. Non, il veut pas, ok. Bon, plutôt drone intermédiaire. Ah, mais c'est 14 h donc j'aurais pas assez. Ouais, si je vais prendre plutôt la gestion des drones intermédiaires niveau 3. En premier, voilà. Je vais voir si je peux mettre autre chose derrière, mais à mon avis, je ne pourrais pas. Ah, si, ça passe. Ok, je suis à 2 jours. Ok, bon, là, je peux pas en mettre plus. Bon, bah, c'est parfait. Avec mon petit compte alpha, je peux Alors enfin moi faire déjà ça. je te dirais de cliquer, c'est sur les points de compétences non alloués déjà. Absolument d'accord, j'allais le faire. Tout à fait. J'essayais de voir ce que je pouvais d'abord mettre dans ma file. J'en ai 52 000 à faire, donc on va le mettre tout de suite. Pour la gestion des drones intermédiaires, justement. Enfin, on va le mettre en premier, de toute façon, je confirme. Apprentissage de compétences Ah terminé. oui, d'accord, c'était suffisant pour faire les deux. Ah, très bien. On va continuer alors. Et salut Rakiri. J'espère que tu vas bien. À prêter mes aventures sur Elite Dangerous, j'ai vu ça, mon pauvre. Je suis vraiment désolé pour toi. Je continue donc du coup au niveau des drones. Est-ce que je peux prendre
encore, ouais, 3 jours, ça va pas le faire. Si, ils veulent prendre quand même, ok. Là par contre, je pourrais pas mettre autre chose. Bon. Ah bah j'en ai encore à allouer. Il m'en reste 2085. Ah bah c'est parfait. On va le faire tout de suite. Voilà, ça va manger un petit peu de temps de compétences, mais c'est très bien. Voilà. Ok, c'est fait. Je suis à jour. Bah ça va, Arikari, ça va. Bien content de pouvoir streamer ce matin. Donc. Ok, je vérifie juste que tout va bien au niveau de mon équipement. Est-ce que j'avais réparé mes drones hier, je me souviens plus. Si, j'avais réparé mes drones. Ok. Je vérifie dans ma soute. Ouais, c'est ça, parfait. J'en ai un en stock. Donc j'en ai 4 et 1, donc j'avais pas encore sorti. Donc c'est parfait, j'ai 4 drones utilisables tout de suite. Je pense pas que je puisse en mettre plus encore. Non, non, je suis limite là. Je suis à 40 mètres cubes. Je peux pas mettre plus. Bon, bah, je suis paré. Donc, qu'est-ce qui vous tente ce matin? Bah, je pense qu'on va encore aller vérifier ce qu'il y a à la main. Ouais, on essaye d'avoir plus de chance qu'hier. De toute façon, on peut pas faire autre chose. Hein. Ouais, pour l'instant. Hein. Après, si vous voulez vraiment vous lancer dans autre chose, vous me dites, hein, on essaye de faire en sorte d'y arriver. Hein. Ouais, remue pas le couteau à la plaie, je suis désolé, Arikari. J'ai lu ça sur le Discord. Mais bon, t'avais quoi déjà comme vaisseau? Et bon, comme j'ai dit, ça m'a permis de m'acheter une combi. Oui, d'accord, oui, bah oui, forcément. Et commencer le scan biologique, et ça amplifie tellement plus le gameplay explorateur et découvert. J'imagine, j'ai tellement hâte de pouvoir faire ça, Arikari. C'est d'ailleurs pour ça que, je sais pas si t'es au courant, mais je vais avoir un peu plus de temps à partir de la semaine prochaine. Donc, j'ai alloué une plage horaire supplémentaire pour Elite Dangerous, ce sera le lundi soir. Donc, il y aura du Elite Dangerous le dimanche soir et le lundi soir sur la chaîne dorénavant. Pour pouvoir justement essayer d'aller un peu plus vite au centre de la galaxie, choper la station où on pourra se poser, en espérant évidemment qu'elle ait ce qu'il faut pour s'équiper correctement. Mais j'ai hâte de pouvoir tester ce gameplay. Donc c'est cool. Ok, je suis paré. Donc j'appareille, vous êtes prêts? Ouais, ouais. Okay. Attends, t'as peur. Ouais. Midflat. Ah oui, j'ai pas. Oui, c'est vrai. Voilà, ce sera mieux. Hop. Si on. Attends. Ouais, c'est bon. Je vais mettre ça en bas. Hop. Voilà. Ça du coup je le ferme, voilà, ok, parfait, c'est bon, allez, j'appareille. De Hamar. Propulseur de warp activé. C'est parti. Ah, ça traîne pas. Allez, on va croiser les doigts pour avoir un peu plus de chance ce matin. Ouais, ça serait bien. C'est sûr. Donc pour l'instant. On n'est que tous les deux en flotte, Link. Si tu veux nous rejoindre, oui. Asylum, tu le dis. Hein. C'était assez près. Je suis côté, Galante en ce moment. D'accord. Je suis pas du tout du côté Hamar. Ok. Désolé. Non, mais y a pas de souci. Hein. De toute façon, si tu veux intervenir pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Ok. Peut-être qu'on sera rejoint par Azdecker dans la matinée, c'est pas impossible. Il y a
dit qu'il essaierait de passer. Pulseur de warp activé. Donc là, on s'enfonce dans quelle partie? Plutôt au sud, nord? Plutôt sud de la main. De notre position, d'accord. Hop, je saute. Ok. Vos pulseurs de warp activés. Combien de sauts encore? Trois. D'accord. Vos pulseurs de warp activés. Vachement, le portail de saut là, il était vachement près de la de l'anneau de la planète. Ok, wow, c'est chouette ici. Propulseur de warp activé. Avec mon appareil photo. Et puis il veut plus prendre de photos. Qu'est-ce qui se passe? On arrête tout. Ah ouais, non. Ah si, ça y est. Je sais pas pourquoi il a eu du retard. Pourquoi j'ai eu un lag pareil? Bizarre. Ça sent la mise à jour Nvidia, ça. Oh, elle est vraiment chouette.
Hop, je saute. Oh là, il y a du monde ici. Ok. Oh, salut Ashker. Ashker NMS, No Man's Sky. Comment vas-tu? Content de te voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas croisé. J'espère que tu vas bien. Je passe de temps en temps sur ce stream YouTube. Propulseur de War activé. Si j'ai pas forcément l'opportunité d'intervenir. Je regarde souvent tes replays d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Bah écoute, moi aussi, ça va très bien. Là, je vais reprendre un rythme un petit peu plus soutenu de streaming. Donc c'est cool. Je vais avoir un peu plus de temps là, à partir de, bah, là, de ce week-end. C'est et du coup, moi aussi, je fais des streams YouTube. Pas que Twitch. Mais c'est le matin. J'en fais le matin. Sur des titres comme Death Stranding ou Cyberpunk 2077. Et ce sera à partir de demain matin, justement. Je vais tenter des streams le soir sur YouTube, mais c'était pas vraiment adapté pour moi, donc je préfère les réserver pour Twitch en fait. Ouais, t'avais entendu, ok, d'accord. Ouais, je vais reprendre ce format parce que ça. Il y avait. Enfin, c'était vraiment sympa de faire ça le matin. Et du coup, comme j'ai à nouveau la possibilité de le faire, je vais pas me priver. On se faisait des sessions vraiment sympas. Ok, alors, où est-ce qu'on a atterri? Dans une zone où tu peux t'amuser. C'est bon, il y a du monde. Ok. C'est parti. Je sors les drones. Ah oui, d'accord, il me shoot direct. Ok. J'avais pas vu qu'on était déjà aussi près. Ok. C'est les batteries de missiles là que je suis en train de viser. Et on va activer le réparateur de blindage. Ça frappe fort les missiles. Ok. Wow, j'adore les explosions dans ce jeu, mais elles sont magnifiques. Spectacle à chaque fois. C'est tellement bien fait. Ok. Bah on range les drones. Ouais, ok, j'arrive. Bon, ils reviennent. Il est resté un domestique. Propulseur de warp activé. Oui, mais de toute façon, comme il va y avoir d'autres vagues après, ouais, ça vaut pas le coup. Et puis là, il n'y a rien à gagner. D'accord, d'accord. Un petit moment que je suis pas retourné sur No Man's Sky et j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de changements parce que en suivant tes streams justement je regardais ça HK, ça me donne envie d'aller refaire un petit tour de temps en temps. Je continue le let's play que j'ai dessus et c'est toujours très agréable. Le portail, oui, vas-y passe. Ok, non, c'est que j'arrivais pas à l'activer. Ok, propulseur de warp activé. Il y a du monde. C'est bon, ils sont à portée.
passe les 18 km, c'est bon, je peux commencer à travailler. Ok. Allez, attaquer. Défendre avec des anti-verrouillages là. Oui, j'ai vu ça, Ashker. Ouais, j'ai vu que vous étiez sur des expéditions, c'est nouveau ce système là, je connaissais pas ça. Avec les durées limitées, c'est cool qu'ils aient mis ça en place. Effectivement, je suis ça de toute façon quand je peux pas le voir en direct. Je regarde tes replays de toute manière. Hop. Et pour ceux qui connaissent pas Ashker, c'est le spécialiste FR de No Man's Sky. Avec des streams. Donc tous les jours, tous les soirs sur YouTube. Vraiment, vraiment, vraiment super cool à suivre. Ok, il n'y a plus personne. Je reprends mes drones. Je prends le portail. Ouais. Hop, et on y va. Si je peux bien. Non, il peut pas. Là, si. Ah, il estime que je suis pas assez près, d'accord. Ah oui, non, 15 km, non, effectivement, je suis pas assez près. Mais il n'y a pas de quoi, je garde. J'ai pas vu si Asgard s'y était remis à No Man's Sky. Je sais pas si vous jouez ensemble en ce moment, j'ai pas fait gaffe. Activé. Et salut Shadok. Ah ben voilà le pompeur. Voilà. Le pompeur du dimanche. Ok. Il y a du monde. Asgard sur Elite à fond, bah ouais, je vois qu'il fait, il fait son gameplay à pied là en ce moment. Bah nous c'est tous les dimanches soirs dorénavant et le lundi soir que l'on va se retrouver sur Elite Dangerous. Mais avec un gameplay à pied pour l'instant encore incomplet puisqu'on est toujours en pleine expédition lointaine vers le centre de la galaxie, donc on n'a pas encore pu récupérer le matos puisqu'il faut tomber évidemment sur des stations et là où on est il n'y en a absolument pas. On s'approche du centre de la galaxie, donc il y a une station que l'on vise dans le coin pour essayer justement de s'équiper et pouvoir faire vraiment le gameplay à pied à fond quoi. Voilà, vaisseau Century. Ok, je m'approche. Je peux toujours pas lancer mes drones, ils sont trop loin. Sur les lives de qui, Shadok?
Ashker ou les miens? Avec ta Switch. Allez, allez, c'est bon, je peux les lancer là. Non, ils veulent pas. Si, c'est bon, c'est parti. Allez, on s'approche. 20 km, faut que je sois à 18. Ouais, je peux commencer à tirer l'autre. Parfait, c'est bon, c'est parti. Non, j'ai mis du temps à m'approcher, hein. Ah, de HQR, d'accord. Ouais, tu sors sur Twitch, sauf pour Cyberpunk, bien évidemment. Alors je pense que demain matin, justement, puisque je reprends mes streams matinaux sur YouTube, ce sera sans doute Death Stranding, parce que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, et j'aimerais bien pouvoir continuer la recherche des cartes mémoire, ce qu'il me reste à faire dans ce jeu. J'ai tellement envie de retourner dans l'univers de Sam Porter. Je pense qu'on va commencer par ça demain matin. Allez. Feu, feu, feu. Ouais, ça fait presque un mois que j'ai pas pu jouer à Death Stranding, là, ça commence à me manquer. Salut Cédric. Bon bah on se lève tous à peu près à la même heure, hein, Shadok, y a pas de souci, hein, dimanche matin, pas de problème, prends ton temps. Ok, il n'y a plus que un domestique à flinguer. Mes drones s'en occupent. Ok, c'est bon, il n'y a plus personne. Les drones. Il y a pas un peu de loot? Bah si, faut looter. Oh, voilà. 15 millions. Ok, je m'approche. 15 petits millions. Ah, t'as repris sur F, celui-là. Comment, tu m'as dit, Link? Il dit 15 millions, c'est déjà mieux qu'hier. Ouais, c'est clair. Et merci Zolasta pour ton follow, sois le bienvenu à bord. Allez. Ouais, pas grand chose. Hein. J'ai découvert une compétence, un petit booster de bouclier à distance asymétrique longue durée. Et si je fais apprendre, ça marchera pas. Parce que j'ai déjà ma file qui est pleine, ouais. Si je vais le faire, allez, ouais, c'est pas grave. Ok, alors suivant, conteneur de fret, il faut quoi pour l'ouvrir cela? Rien, donc je vais voir si je peux le choper. Tu es déstabilisé, Cédric, tu comprends plus rien? Ah bon? Ça fait trop longtemps que t'as pas joué. Bah, il n'a qu'à nous voir. Bah oui, carrément. Depuis le temps qu'on essaie de récupérer New. Ouais. 145 000. Bon, un petit dissipateur thermique. C'est tout ce que j'ai à me mettre sous la dent ce matin. Oh, puis il faut y aller progressivement, hein, Sulric. Hein, c'est normal. Moi, j'ai mis quoi? Un bon mois et demi, là, hein, pour me remettre dans le bas, un petit mois, un bon mois en tout cas, sûr. À refaire les tutos, parce que ça c'est quand même bien. Les missions tutoriales, elles sont quand même bien foutues. Donc ça permet vraiment de bien te replonger et à ton rythme. Donc ça c'est bien. Ok. Bon bah écoute, je crois qu'on a tout écumé. Hein. Ah si, il y a encore. Tout à fait, encore. Ah, il y a encore un conteneur là-bas. Ok.
Ok, c'est vrai que je regarderai. C'est où? C'est par là-bas. Ok. Des petits fragments de métal. Bon, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Ouais, ouais, c'est pas grave. Ok, c'est bon, je les ai. Alors, où est-ce qu'on va? On va à droite ou on va à gauche? Propulseur de warp activé. Ok, c'est reparti. T'es passé où? J'ai sauté. Ah d'accord, j'ai pas vu qu'il y avait la quête, la porte. Ok. Propulseur de warp activé. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Hop, c'est parti. Site de données, ça peut valoir le coup. T'as trouvé quoi? Un site de données. D'accord. Je te laisse finir cette zone, ouais. Donc je vais faire le type de données. Ça marche. Je pense pas avoir de surprise ici. Même s'il y a une nouvelle vague, ça devrait le faire. T'auras aucune surprise. Ouais. Et au moins ça t'occupe. Voilà. Tout à fait. À fond.
pas. Si c'est bon. Ok, je vais lancer le drone. Ah, j'ai gagné en. Avec les derniers apprentissages, j'ai gagné en distance pour lancer les drones, donc c'est cool. Ils sont actifs plus tôt. C'est parfait. Allez, plus qu'un. Ok, c'est bon. Ah, il y en a d'autres, une nouvelle vague. Hop. Allez, c'est bon, ils peuvent attaquer. Ils sont toujours sur place. Oula, il y en a un qui prend cher là. Je fais gaffe. Ah, je suis trop loin pour tirer. Ils se battent tout seuls. Je les rappelle, c'est vraiment ça sent le vinaigre. Allez, 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 allez. Je peux commencer à tirer. Aider un peu. Ouais, j'en ai un qui prend cher. C'est bon, il n'y en a plus qu'un. Feu. Feu, j'ai dit. Ok, c'est bon. Ah, il y en a encore un qui a popé. Tout sur lui. C'était pas terrible. Ah, il m'attaque bien. Un drone qui est endommagé. Ah, il y en a encore deux. Pas trop mal tout seul. Heureusement que j'ai mon boost de distance là. Ok, c'est bon, il n'y a plus personne. Je rappelle les drones. Va looter, mais bon, je pense que ça sert pas à grand chose. Ouais, au moins les boucliers se régénèrent pour le Valkyrie. J'avais un drone qui était endommagé là, mais bon, ça va, il a pas pris trop cher. Ce sera facilement réparable. Non. Ah, bah tu veux. Putain, c'est une zone de merde, on vient de gagner 78 millions. Ah ouais. Comme quoi, c'est vraiment aléatoire. Hein. C'est quand même super bizarre. Hein. Non. Il y avait trois objets de faction. Ouais, c'est quand même bizarre. Oh, un signe. Alors oui, c'est... C'est souvent aléatoire, mais en règle générale, dans ces petites zones de merde, on n'est pas censé looter des trucs. Surtout à plusieurs, quoi, en multi. Non, multi ou solo, peu importe, ouais. Ça change rien. Non, non, c'est juste que la chance est très très basse d'en avoir. Bon, bah la chance tourne, on va dire. Bah ouais. Allez, la prochaine grosse zone, on va se faire un max. Ah oui, 500 millions. Ah, je suis coincé à la station. Je sors de là. Alors, la
suite. Est-ce qu'on est ici? En fait, il y a quoi dans la zone ici? Ça pourrait être intéressant. Je te laisse faire le plan de vol. Hein. Oui, oui. Oh l'autre, il veut me dépasser. C'est ça, on fait la course. Fais gaffe, hein, j'étais... non plus puissante que les tiennes. Ouais, tu l'as eu en moi. Ok. Propulseur de warp activé. On ne passe pas devant un Sister of F comme ça non plus. Depuis combien de temps il est sorti ce design de vaisseau là, que tu as? Et là ouais. Bah, depuis un certain temps je pense. Je l'avais déjà avant que j'arrête. Ouais, c'est un design qui est sorti dans... Il y a... Ouais, dans il y a au moins plus de 3 ans. Ouais, voilà, ça fait plus de 3 ans. Moi. Pulseur de warp activé. Correspondent les trois barres sur le Valkyrie là. Il y a trois segments en fait. Trois barres sur le Valkyrie. Ouais, sur le comment la barre de vie des Valkyrie. Des drones. Bah, la même chose que pour toi. D'accord, ok. Ça correspond aux trois. D'accord. D'abord le bouclier, ensuite le blindage et enfin la coque. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Et ça va de droite. À gauche, c'est pas de gauche à droite. Oui, c'est ça. Celui de droite, c'est le bouclier. D'accord. Donc là, il faut que je lise que j'ai un de mes drones qui a le blindage qui est endommagé. D'accord. Ok, alors c'est parti, bataille. Bon, à première vue, le Stratos il date de avant 2015. Ouais. La vache. Parce que j'ai trouvé sur internet. J'ai pas encore trouvé la date précise, mais. Ouais. Direct. Hein. Autres ciblés.
Dernier, nouvelle vague. 3 de plus. Ils peuvent attaquer d'ici là, d'ici à cette distance. Voilà, c'est bon, j'envoie mes drones, on les voit partir. C'est bon, on t'a porté feu. Ok. Nouvelle vague. Hop. Feu. Pour l'instant, mes drones se débrouillent bien. Je viens de recevoir 123 000 crédits. Voilà, parfait. Oh, j'ai atteint niveau de combat. Niveau 3. Maîtrise, je sais pas quoi, c'est pour les drones, je pense. C'est... On peut voir ça comme des trophées. D'accord. Ok, c'est parti. Pour le loot.
J'ai pas rappelé mes drones. Si? Si, si, je les ai rappelés. Ok. Bon, il n'y avait rien là-dedans. Bon, rien d'intéressant. Intéressant, bah, on change de zone. Ouais. Bon, je trouve que de la merde. Propulseur de warp activé. Ok, c'est parti. Alors, c'est la guette. Hop. J'active. Et c'est parti. Activation impossible. Ah, merde, on est trop gros. D'accord. Ça prend que jusqu'à quoi? Ah, ça prend pas les croiseurs. D'accord. Non. C'est trop gros. Nous sommes beaucoup trop gros. Ok. Chier. Dommage. Ouais. Là, je savais pas qu'il pouvait y avoir des limitations si... pour les instances par rapport au vaisseau. D'accord, c'est cool. Deux bien. Fois peut être bien chiant parce que bon, t'es pas forcément trop oui. gros. Mais... Oui, c'est sûr, mais bon, d'un autre côté, c'est bien, ça laisse de la place pour les plus petits, quoi. Ouais, mais il y a personne. Bon, secteur suivant. Dommage. Ouais. Propulseur de warp activé. Ok, zone suivante. Hop, prêt à sauter, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On va déjà aller ici, le temps. Propulseur de warp activé. Le nuage de gaz. Non, c'est pas. C'est un cumulus de Lagrange, un truc comme ça. Waouh, c'est trop chouette là. Bon, par contre, il y a du monde. On va pas traîner. Je te mets en fond Shadok. Avant de me faire ban par Link. Moi je vais à l'expo du Kraken. Ah d'accord. Alors, Kraken c'est un mot que je tolère. C'est le mot du constructeur que je ne tolère pas. Sur Star Citizen bien évidemment. C'est
c'est du Drake, c'est du Drake. Bon, alors, les drones, vous allez aller attaquer un certain monsieur Yotsuya, hein. Ok, Harakiri, t'es mort. Promis, je te foncerai dessus en 890 la prochaine fois. Tu comprendras la puissance d'origine. Et salut Julio, Julio Fans. Bonjour à toi. Et merci beaucoup pour ton follow. Sois le bienvenu à bord. Il y en a qui méritent des coups de pied au cul. Allez, je trouve un proche. Approche. Ah mais on est d'accord, Denis. On est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Si, si. Mais alors, absolument pas. Si, si, si. L'expo Drake est magnifique, je le reconnais. Non. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Denis. Oui, bah, il y a des buffs qui se perdent. Avec plaisir, Julius, tout court, ça suffit. Ok, Julius. Ok. Bah, c'est moi qui te remercie. J'ai rentré mes drones, oui, c'est bon. Je te donne envie de ressortir ton golem. Bah moi ça fait pas longtemps, hein, que je suis à nouveau sur Eve Online, ça fait un petit mois et demi. Après presque. Ouais, après un petit peu plus de 10 ans d'absence. Et je suis vraiment content de m'y remettre. Franchement, il y a plein de nouveautés que je connaissais pas, enfin plein de choses nouvelles. Et c'est un vrai plaisir de redécouvrir Eve Online. Surtout là en multi. Propulseur de warp activé. Ah. Ok, on est parti. Ouais, sacré pause, ouais. Mais bon, moi, je connais le jeu depuis 2004. Hein. Donc voilà, ça fait. Je connais le jeu depuis sa sortie. Hein. Donc j'ai fait plusieurs persos déjà. Et là, j'en refais un exprès pour vraiment découvrir à fond les nouveautés. Et puis, c'est l'occasion aussi de, voilà, de refaire une corporation sur le jeu qui reprend. De celle qu'on a déjà sur Star Citizen, etc. Ah, donc, celui-là il nous interdit pas. Ouais, non, c'est bon. Donc voilà quoi, maintenant que j'ai ma chaîne Twitch et tout, c'est forcément plus intéressant pour moi et pour tous ceux qui me suivent quoi. Alors je peux pas l'activer, pourquoi? Propulseur de voir. Il voulait pas l'activer. Je vais devenir une cible, Shadok, si je fais ça. T'as pas mal d'heures aussi, d'accord. Bah en fait, j'aurais bien voulu reprendre mon ancien perso, mais problème de compte, ça ne s'activait plus, donc je sais pas, il devait être trop vieux en fait. Et... Je sais pas, avoir du mal à les. Y a du monde là. Oh, non. Ah bah. Ouais. Je sors mes drones, on attaque. C'est parti. Oui, c'est clair, Julius. J'essaie de prendre un maximum de précautions, mais bon. C'est sûr que on est facilement une cible en tant que streamer sur Eve, hein, c'est clair. Mais bon, moi, enfin, de toute façon, là, avec le gameplay qu'on fait, ça va, c'est pas, on fait pas du PVP, comment, de base, nous, c'est vraiment, on a créé une corporation d'exploration, justement, parce que ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est vraiment l'explo. Donc, je me concentre
deux secondes. Donc on fait pas du PVP, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse à la base. S'il y a l'opportunité d'en faire, pourquoi pas, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire de l'exploration, quoi. Donc pour l'instant, comme je redémarre là, on va pas en nul sec, mais ça viendra, ça viendra. Le temps que je reprenne mes marques, que je m'équipe correctement, la corpo aussi, enfin bref, voilà quoi. Ah bah ça fait un moment, hein, j'ai eu 5, j'ai pas joué, donc effectivement, y a plein de choses que je connais plus. C'est évident. Ok, Ashker, passe un très bon dimanche, merci beaucoup à toi d'être passé. Ashker, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube hein, sur No Man's Sky, c'est juste magique ce qu'il fait là-bas. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est tous les soirs sur sa chaîne. Alors, on vient d'avoir une mission complémentaire grâce à cette activité. L'agence exploration escalade de saut. Bah écoute, on va définir la destination et dès qu'on aura fini ici, on ira. Ok. Oui, je sais qu'il y a ce système en place, Asylum, effectivement. On peut porter plainte quelque part, mais bon. Voilà, faut arriver à le prouver, c'est clair. Bon, après, en streaming, c'est quand même un peu plus facile. Bon, je suis un peu loin pour lancer mes drones, là. Hop. Déjà s'approcher. Okay. Non, je pense que tu peux rappeler tes drones. Ouais, c'est bon. Okay. On gagnera rien ici. Il n'y avait rien ici, ok. Je les rappelle, c'est bon. Ok, alors. Voyons voir la suite de la mission. Ok. Espérons qu'on gagne des choses de vie. Propulseur de warp activé. Ça marche. Vraiment sympa la zone. Là, visuellement, mais ça a pris un bond. Ça a fait un bond ce jeu, c'est par rapport à ce que je connaissais en 2010. Ça a vraiment plus rien à voir quoi. Tellement chouette. C'est vraiment chouette comment ils ont pu faire évoluer le jeu. C'est classe. C'est bien fait. Il faut quand même 18 ans que ça existe. Et, c'est toujours aussi chouette. Hein. C'est même encore plus chouette. Ok, on saute. Propulseur de warp activé. Ok. Harakiri, tu dis pour la VR en ultra sur Elite Dangerous, je vais devoir attendre, je crois. Je constate que ma carte graphique est déjà à 100% d'utilisation, mais même sans la VR. Hein. Si tu joues à Odyssey, même sans la VR, c'est déjà à 100%. Moi, je suis à 95, je plafonne à 95-96. Avec des pointes à 100. Optimiser. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas optimisé. Donc, de toute façon, et puis, de toute manière, pour jouer à Odyssey, il n'y a pas de VR. Donc. Sauf si tu vas avoir du flat en vert, mais je vois pas l'intérêt. Alors, tu sauteras sur moi quand je te le dirai. Ok, ça marche. C'est ça, okay. Absolument. J'avais constaté ça aussi, donc... C'est clair qu'en 20 ans, Denis se dit c'est beau d'arriver à renouveler autant le jeu, surtout que graphiquement il a pas à rougir. Non, sincèrement, il a des super panoramas quoi. J'arrête pas de prendre des photos. Ok, je saute sur toi.
Vous pouvez le voir hein, sur notre Discord ou sur mon compte Twitter. Franchement, j'arrête pas de prendre des photos, quoi. D'accord. D'ailleurs, si vous voulez voir, si vous voulez vous connecter à notre compte Discord, vous faites point d'exclamation Discord dans le chat hein, pour avoir accès à l'adresse. Idem pour mon compte Twitter, hein, point d'exclamation Twitter. Ok, on attaque ? Oui, mais je pense qu'on ne gagnera rien de bien parce que la mission se poursuit encore ouais, après. C'est après, ok. Ça marche la VR en VRS sur Odyssey ? Oui, bien ah ouais sûr. Ouais, d'accord. Ah, au moins ça, bah c'est cool. Ah, c'est cool qu'ils aient au moins gardé ça, quoi. De toute façon, ça y était avant, je vois pas pourquoi ils ont mais vu que ça a changé de DLC, peut-être que la manière de gérer la VR était pas identique. Non, mais la manière de gérer le VRS ouais, et le vaisseau n'a pas changé. Ah, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, sur la planète, ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais oui, je parle pas des phases à pied, évidemment. Ouais. Après, en VR, je suis pas sûr que ça pose plus de problèmes du coup avec le VRS. Hein. Même si t'es déjà à 100. Allez, action. Bah, le truc, c'est que comme ils ont fait les planètes et que ça lag dès que tu atterris sur les planètes, même en VRS, ça va laguer. Ouais, mais t'as peut-être moyen de réduire un petit peu la charge en réduisant certains paramètres. Ouais, mais ça veut dire notamment aussi des paramètres que tu réduis en vaisseau, quoi. Ouais, évidemment. Bah, évidemment, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bah, si, c'est ça le truc, c'est qu'il faudrait qu'on puisse faire la différence entre les deux. Ça, pour ça serait un jeu optimisé. Ouais, c'est clair, mais pour l'instant, on n'y est pas. Clairement, on n'y est pas. Ça vient juste de sortir, laisser le temps un peu aux gars, quoi. Bah, non, c'est tout ça. On veut tout de suite. Mais ouais, c'est ça. Non, on veut un DLC fini. Pas un DLC à 20%. Oui, enfin, c'est pas un DLC à 70 balles aussi. Non, il a 40 balles. Bah oui. C'est pas quasiment voilà. Pareil. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve ce soir hein, à partir de 21h sur la chaîne, sur Elite Dangerous. Odyssée, bien sûr. Ok. On range les drones et on se prépare à jump. Ok, c'est déjà fait. Propulseur de warp activé. C'est parti. Mais ouais, tente quand même, Arakiri. Tu surveilles en même temps juste tes paramètres pour vérifier quand même que tu sois pas en surchauffe parce que c'est pas le moment de claquer une carte graphique. Hein. Demande à Fralex. On fait gaffe quand même. Le pauvre. Le pauvre, ouais. Moi aussi, je fais gaffe. Hein. Avec des charges à 95%, je fais attention quand même. Hein. Je jette de temps en temps un œil à ce que ma carte graphique fait sur Elite Dangerous. Hein. Après, s'il a une Nvidia, mais elles sont censées se brider quand elles commencent à monter en oui, chaleur. Absolument, mais bon. Propulseur de warp il vaut mieux activé. Avoir... quand même les yeux sur la température quoi.
Oui, si tu remets une GTX 660, effectivement, tu iras pas loin avec. Ok. Oups. Et on saute. C'est parti. Salut JB. Pour Elite, je vois les DLC plus comme des Season Pass, mais c'est clairement ça. Quand Horizon est sorti, il y avait en effet juste 20% de ce qu'on avait à la fin. Complètement, là, c'est pas. On est reparti pour 10 ans, là. Non, mais c'est ça, hein, c'est clair. Donc, Odyssée, c'est le même principe qu'Horizon. Hein. C'est d'ailleurs pas par hasard que quand tu démarres le jeu, tu as le choix entre les différents DLC. Hein. Tu peux activer à différents niveaux ton jeu, en fait. Donc, oui, c'est exactement pareil. Ok, saute-moi dessus. Ok, j'arrive. Je te vois plus, t'es où? Dans le. Ouais, non, je te voyais plus dans le. C'est normal. Ok. Propulseur de warp activé. Ah, mais c'est clair, Denis. Hein. Franchement, avec tout ce qui est prévu là pour la suite d'Odyssée, là, pour les prochains. Les prochains patchs, enfin les prochaines mises à jour, ouais, ça vaut. Là, tu te dis que ça vaut le coup d'envisager. d'upgrader les PC quoi. Encore faut-il pouvoir trouver les composants là, hein, en ce moment. La pénurie elle est toujours là. Hein. Mais non, oui, mais j'ai pas de pénurie. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Non, c'est sûr. On arrive tous à trouver des cartes graphiques à 600 euros. Ouais. Enfin, pardon, j'ai oublié, il y a un 1 devant le 6. C'est ça. Encore. Bon bah on va pas trop s'attarder, il y a encore un truc à deux sauts ici. Ah d'accord, ok. Non mais j'adore les missions comme ça. À tiroir, mais on a intérêt à y avoir des trucs dedans. C'est ça. Bon je fais un massacre. Prochain DLC dans 10 ans, on pourra visiter des villes. Et c'est ça. Ah, écoute, déjà on peut visiter des stations. Non, moi ce que j'attends déjà... et Nakamura aussi, c'est la visite des vaisseaux. Hein. Bah déjà la Terre, ils ont intérêt à la refaire parce que là elle est dégueulasse avec. Bah ouais, c'est possible. Non mais c'est prévu, mais bon. Ça va prendre encore un peu de temps. Parce que autant elle était bien avant, autant là elle est dégueulasse. J'ai vu ça, j'ai vu avec Terada, un ou deux sauts dans le système sol. Hein. Ça picote. Ouais, c'est clair. En fait, c'est surtout, j'ai l'impression que leurs lumières sont trop puissantes, en fait. Ouais, il y a des problèmes de filtre. C'est évident, hein. Il y en a encore. Et encore, ça a été arrangé là, avec le dernier patch qu'ils ont mis là. On n'a plus les problèmes qu'on avait dans le système ACS. Le système... comment ? Même dans la vue planétaire. Bon, par contre, il y a toujours les vues dégueulasses sur les flux, enfin sur les comment, les jets de matière des oui, étoiles. Oui, c'est dommage. C'est pour l'instant toujours pas réglé. Les jets corno, ouais, c'est ça. Ça aussi, il faut pas les regarder trop près. Vraiment dommage. Oh, mais ils vont corriger ça, ça va venir. Allez, Fire. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent mes drones? Ils sont en vacances? Bah, faut prendre. Alors, ils attaquent plus. Alors qu'ils sont juste à proximité des cibles. Juste l'épave du ouais. Truc hein, et on pourra y aller. Pareil, Denis, sachant qu'on arrive tout doucement à la fin des 10 ans de développement, vous pensez qu'il va encore faire beaucoup sur le jeu ou même continuer le développement par la suite? Écoute, vu le nombre de nouvelles équipes de développement qu'ils ont allouées uniquement à ce jeu là, on peut supposer. Hein.
de cette distance. Ah oui, ok, d'accord. C'est en fait, c'est passé par là. Alors, comment dire, mon très cher ami Gaderman, ok. Je vais te faire sauter sur la guette, mais tu ne sautes pas immédiatement. Propulseur, ok, ça marche. Parce que là, on va passer en zone basse sécurité. Donc, il pourrait y avoir des mecs derrière. D'accord. Donc, tu attends que je te donne le feu vert. Parfait, j'attends. Alors, y a-t-il du monde? Il n'y a personne, tu peux sauter. C'est parti pour un saut en 04. Et puis, bah, dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est au retour, on passera par là. Il y a l'air d'avoir des trucs intéressants. Mm-hmm. Peut-être qu'on pourra y amener des choses. Ok, j'ai sauté. Propulseur de warp trop beau, là. Activé. Oh, punaise. J'arrête pas de screener ce jeu, c'est fou. Je vais peut-être arriver à faire plus de photos que sur Elite Dangerous. C'est quand même dingue. Ouh, Star Citizen. Ah, salut pote. Alias, As de cœur. T'es un peu en retard, j'avais des trucs à faire. Y a pas de problème, t'inquiète pas. Écoute, si tu veux nous rejoindre, vas-y. Par contre, on est peut-être un peu loin, là. On a fait du chemin. Non. On est autour de Hammer. Ok. On n'a pas énormément bougé, non, faut pas rêver. Ok, je pas de soucis. Sur la place de Hammer. Ouais. Et tu sauteras sur moi après. Ça marche. Oh, c'est chouette là encore. Non, mais regardez-moi ces panoramas. Oh, punaise, c'est trop beau quoi. Waouh, c'est vraiment chouette. J'adore. C'est tellement réussi leur fond hein, cosmique. Ah, c'est classe. Vas-y, c'est bon, tu peux me sauter dessus. Ok, j'arrive. Propulseur de warp activé. Ah, qui a-tu dit perso, s'ils imaginent un nouveau DLC, ouais, sur Elite, je verrais genre des sauts vers une autre galaxie. Ah, tu m'étonnes. Avec non, genre moi de déjà, nouveaux ennemis. Moi, je maintiens et je signe, je veux affronter les gardiens. Oui, oui, mais complètement. Pourquoi pas, déjà. Effectivement. Hein. Pourquoi pas un épisode avec les gardiens. Hein. Salut. Salut, moi, je suis sûr. Salut. Ok. C'est parti, oui. Fire. J'arrive sur le jeu bientôt là. Ouais. Allez, feu. Attention. Ok, je surveille mes drones. Tellement d'accord avec toi, Mac Cobbleboy. C'est clair. Ans pour World of Warcraft, ouais, ouais, ah oui, c'est ça. Moi, c'est pareil, j'ai joué dès la sortie, je me souviens.
Et dire, il y a encore 5 ans, on annonçait sa mort. Oui, complètement. Non, mais c'est ça, hein, tant qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas le temps le problème. Oh, c'est trop beau. Il y a des superbes environnements, hein, sans déconner. Hein. J'adore la diversité des environnements. Vraiment chouette. Bon, excuse-moi, je prends des photos. Hein. je rentre mes noms. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. Vous pouvez en rajouter à la flotte ou pas? Oui. Ouais. Faut t'envoyer le lien. Invité à intégrer la flotte. Ouais, déjà. Et je t'envoie le système. Salut Guigui, le chat. Non, pas du tout. Guigui le chat, pas Guigui le chat. On est en zone amarre, quoique. Oh, oui, il n'y a pas beaucoup de choses. Dans différents empires, le background change. Ouais, non, c'est clair, tout à fait. Hein, y a des zones qui sont absolument, comment dire, tout à fait identifiables selon les empires. Mais là, comme je reprends un compte, je refais un compte à zéro, voilà. Là, on est reparti depuis la zone Amar. Alors, tu me crois si je te dis qu'on a rien gagné de mal de bien? Ouais, bof, non. Ça m'étonne pas. Ok, Rakiri, passe un bon dimanche. Je savais que tu partais. Et puis, bah, peut-être à ce soir. Peut-être à ce soir sur la chaîne Twitch. Toujours pareil, se crache sur pas. Elite Dangerous. S'il se crache pas. Désolé, on a un site de relais, j'en profite. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, j'adore la finesse des décors, elle est quand même magnifique. Y a pas à dire. Non, mais voilà, comment voulez-vous que je m'empêche de prendre des photos? Je peux pas, c'est pas possible. C'est trop chouette. Tu lui foutrais un jeu où il y a juste des images que ça lui irait tant qu'elles sont belles. Oui, ah oui, c'est clair. Non mais moi je suis un contemplatif hein. Donc il faut pas grand chose hein. Oh, mais c'est... Non mais j'adore, c'est super beau quoi. Regardez ça, les nuages de gaz derrière là, c'est trop beau quoi, vraiment. La finesse des détails est vraiment chouette. C'est ça qui est bien en fait dans ce jeu, c'est qu'ils ont pris le temps de. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est des vraies photos de fond galactique. Je ne sais pas si c'est vrai. Vraiment des. Voilà. Est-ce que c'est inspiré de vraies photos? J'en sais rien. En tout cas, c'est. Voilà, ils ont pris le temps de faire des magnifiques fonds. Et du coup, voilà, c'est un plaisir de les regarder, quoi. Puis un truc génial aussi, c'est que tu vois les étoiles que tu vois, ouais. C'est que des systèmes que tu peux explorer. Oui, bien sûr, ouais, c'est clair. Chaque étoile, chaque point brillant que l'on voit est une étoile que l'on peut visiter, effectivement. C'est ça, Guigui. Mais c'est bien pour ça qu'on a créé une corporation d'exploration. Pour prendre le temps de prendre des photos. Pour avoir le temps. Parce que ouais, en PVP, t'as pas vraiment le temps. Quoi. Ouais, ouais. Ah si, justement, en PVP, t'as le temps. Quand, surtout en guerre. Ouais. Où là, t'as les images qui avancent pas. Ouais, bah oui, t'as 2 FPS. C'est clair. Ouais, tu penses que c'est des vraies photos, JB? Bah c'est possible, hein, sincèrement, c'est possible. Il me semblait avoir entendu ça quelque part, ou lu ça, je sais plus. Mais voilà, franchement, regardez ça, quoi. Quel que soit l'angle, en fait, sur une même image, on peut avoir... on peut avoir des vues absolument magiques. Oh, je suis vraiment... Oh, regardez. Oh là, j'avais pas vu celle-là. Oh, j'avais pas vu l'autre côté. Ah, mais trop bien. J'avais pas vu le côté gauche. Enfin, le côté droit, plutôt. J'avais que tu penchais à gauche. Ouais. Ah, moi, je suis ni à gauche, ni à droite.
Je suis pour l'équilibre moi, des forces. Ah, c'est trop beau quoi, j'adore. Tu dis ça veut dire que le serveur lag, ok. Ouais, effectivement. Ouais, vraiment chouette. Du coup, vous êtes où là? Parce que je prends des photos, mais. Moi, dans 3 sauts, j'arrive. D'accord. C'est bon, j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer. Il n'y avait que de la merde. Okay. Et puis, on va pouvoir voir. Après, on retourne dans le système à 0,4. C'est parfait. Donc, je... Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, vraiment, les décors sont magiques. Mais bon, moi déjà, sur les vieux jeux, parce que je suis un vieux gamer, moi, hein, donc les jeux qui sortaient dans les années 90 sur mes Thompson, ou sur mon vieil Atari ST, je kiffais déjà, hein, pourtant, voilà, c'était 3 pixels qui se battent en duel. Hein. J'adorais ça déjà. Vas-y, tu peux sauter. Okay. Le seul mec qui est dans le système, il est en vulture. Okay. Elite 1984, moi je kiffais déjà. Hein. Pourtant, c'était vraiment pas beau quoi. Propulseur de warp activé. Ok. Ah, les strip poker sur Atari ST, ça y allait aussi. Et pourtant, les images étaient dégueulasses. Ok, il y a un ancien archiprêtre ici, on en fait quoi? Il fait sa fête. Vous êtes dans quel système là du coup? Je te le mets. Ouais. Ok. Ok, bon, deux sauts à faire là. Ouais. Là, il essaie de me tirer dessus, disons. Non, c'est sur toi. C'est sur toi. Ah oui, c'est moi. Hein. Okay. D'accord. C'est bien toi. Ok, bon, bah on va sortir les drones. On va l'accueillir. Non. Si tu dis conneries. C'est bon, ils peuvent attaquer là. Ouais, c'est bon. Jouant à Pong. Mais en pause, je vais faire un screen, c'est trop beau. J'en suis capable, hein, Guillaume, déjà. J'en suis capable. Oui, on nous l'a déjà fait. Ouais. Donc on passait le nombre du pixel par l'imagination. Ah, mais totalement. Totalement. C'est clair qu'aujourd'hui, le travail d'imagination, entre guillemets, est quand même bien mâché. Mais on est d'accord, hein, c'est clair. Mais bon, voilà... J'ai 48 ans aujourd'hui et je t'avoue que je kiffe ce que je vois aujourd'hui. Hein. Je regrette pas une seconde d'être passé sur les graphismes qu'on peut avoir aujourd'hui. Hein. C'était bien dans le temps, mais je kiffe ce que je vois aujourd'hui. Hein. Ça me pose aucun problème. Hein. Ça n'enlève rien. Voilà. Ouais. Ma capacité d'imagination. Oui, je peux zoomer sur les cibles si je veux les voir de plus près. C'est ici. Hop. Voilà. Bien embêché déjà. Ouais. Parce que plus de bandage. En plus, il y a 10 000 drones autour de lui ou quoi. Ouais. C'est vrai que j'avais pas encore fait de photo d'explosion. D'ennemis aussi proches. Waouh! Ouais. Concentrez-vous sur les ennemis. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, je prends des photos en rafale. Voilà, il y en a d'autres. Oui. Ok. Nouvelle vague. Les ennemis aussi, il y en a d'autres. Ouais.
alors ils sont un peu loin pour moi quand je m'approche. Tu peux aussi réduire le son des armes dans les options, mais j'aime bien moi. J'aime bien avoir le son des armes. Oui, c'est pas une critique déjà que l'œil, non mais je comprends, moi c'est pareil, hein. Franchement, j'aime autant ce que je faisais avant que ce que je fais aujourd'hui. Je reste un gamer, hein. Et ton premier jeu c'était Flight Simulator. Ah bah écoute, alors c'était pas Flight Simulator moi à l'époque. Parce que c'était sur Thomson, c'était sur mon TO 8. Et c'était un jeu qui s'appelait. C'était un simulateur de vol, mais punaise, il s'appelait comment? Plane. Non, comment il s'appelait? On pilotait un Cessna, je me souviens, il y avait qu'un Cessna à piloter. Ils ont une bonne résistance, eux. Oh, je sais plus, c'était simulateur quelque chose, je me souviens plus. Dans mes tests, tu comprendras. Ah bon, tu veux que je teste de la réduction du son des armes? Pourquoi? Ok, c'est bon, je peux les balancer. Je me concentre d'abord. Hop. Voilà. Bubble. J'avais dit qu'un de ces quatre, je vous ferai un stream sur Elite 84. Faut que je le fasse. Faut que je prévoie ça. Ce serait vraiment drôle en fait. D'essayer de surfer une session sur Elite 84, franchement. En plus, Frontier nous fournit tout ce qu'il faut pour émuler le jeu, donc il n'y a aucun problème, ça tourne très bien, j'ai déjà testé. D'ailleurs, première fois que je réessaye le jeu, je me fais détruire mon Cobra par des Targoïdes. Alors que je venais à peine de sortir de la station. Je m'attendais pas à ça en fait. Je me souvenais plus qu'ils attaquaient direct quoi. Ah, ils ont commencé à me taper dessus un peu là. Ouais, non, moi ça va. Moi je suis à la moitié de mon blindage, mais bon, je devrais. Ouais. Enfin, de mon bouclier, pardon. Mais bon, ils sont plus que 3 là, ouais. Ça devrait le faire peut-être. Quoique, en fait, je vais peut-être warp off. Ok. Shadow, tu dis, je viens de regarder la rediff de votre mage, la mag, Navium. Ah, c'est super. Quel joueur pof. Pour lui. Bah merci beaucoup. J'aurais bien aimé être là. Ouais, c'était super émouvant cet hommage. Forcément, on était sur ça. J'ai réparé mon vaisseau vite fait. Ok. De toute façon, il y a une station juste à côté. Et c'est bien pour ça qu'on continue d'appeler. Nos corpos, que ce soit sur Eve, que ce soit sur Star Citizen, etc., en son nom. Si ça s'appelle la Magic, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est la même Magium Exploration. C'était d'ailleurs son idée, hein. C'est lui qui voulait qu'on fasse la corporation, enfin il voulait que j'en fasse une. Mais à l'époque, j'étais pas encore prêt à en faire et voilà, ça a tout précipité quoi. Et je regrette pas une seconde d'avoir fait cette corpo sur ça. Quelque part, il est toujours un peu avec nous, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait là, Guigui?
On fait simplement là, c'est pour s'entraîner un peu. On fait de l'exploration et on explore en fait des sites donc de reliques, ce genre de choses. Pour savoir si on peut pas se faire un peu de blé. Et puis moi, ça me permet de me familiariser avec mon nouveau croiseur. Encore une fois, je fais un nouveau perso. Question. Ouais. Pourquoi je peux pas réparer mon vaisseau dans cette station? Peut-être qu'il n'y a pas de module de réparation après, ça c'est possible. Ouais. Si c'est une station de joueurs, ça peut être possible. Attends, j'ai pas vu si c'est une station de joueurs. Je crois pas que c'est une station de joueurs. Comme ça. C'est ça, Denis. Sur l'île 84, on apprenait à différencier un Cobra d'un Viper en fonction des lignes. Bon, j'ai pas de quoi réparer mon vaisseau, mais bon, après j'ai mon bouclier, ouais. Ça va en vrai. T'as quoi comme si ça devient trop critique. C'est un vaisseau qui tank shield ou... Shield, ouais. Bon bah ouais, y'a pas de problème. Oui bah si je vois que j'ai presque plus de shield, bah, ça veut dire que... Ouais, que voilà. Je dois y aller quoi, hein, ouais. Là faut faire gaffe, ils sont... C'est ça. Top favorant. Ok. Ouais bah j'ai vu ça, ouais. J'envoie mes drones d'abord. Moi c'est simple, je fais du hit and run. Ouais. Je laisse mes drones m'en occuper pendant que moi je fuis les coups. D'accord, mais pour l'instant, j'arrive à me débrouiller. Je pense qu'ils ils aggro surtout sur vous, hein, visiblement. Pas moi, pas pour un moment, ça. Parce que même mes drones se font pas attaquer. Non, je les envoie dehors. Bah alors là c'est une signature, ce n'est pas une anomalie, j'ai rien trouvé dans le plan d'ailleurs en termes d'anomalie. D'accord. Quel type de signature? Là c'est un repère Blood Raider perdu. Mais bon, pour l'instant, il est pas si perdu que ça vu que je l'ai trouvé. Ouais. Allez, feu. Ok. Ils sont vraiment résistants par contre. Oui. Je suis bien content d'avoir mes drones. Ouais, même avec tous nos drones dessus là, et ouais, plus ou moins avec mes missiles. Bon, on arrive à faire tomber son. Son. Mais ça prend du temps, donc faut faire gaffe du coup. Faut être prudent. Ouais. Ils se sont délaissés. Ils s'attaquent à moi là. Ok. Bon, plus que 4, ça devrait le faire, je pense quand même. Ouais, ça devrait le faire. Bon, on est presque mort déjà là. Ouais. Il y en a un qui va tomber, 3. On a un qui va bientôt tomber, je pense aussi. Ouais, je suis dessus. Ah, et mon aggro. Tu fais aussi des anomalies, Guy? Bah, faut demander à Link parce que c'est lui qui prépare. Non, là c'était déjà dans le. C'était déjà en visuel dans le système, donc c'était pas une anomalie, c'était vraiment déjà invisible. D'accord. J'ai pas scanné pour la trouver celle-là.
Bon, le dernier est sur moi, je vais tanker tranquillement quand même. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, avec tous nos drones autour de lui là. C'est clair, c'est clair. Il va pas faire long feu. Il y en a encore. Bon. C'est bon, destruction. Ils sont de plus en plus gros, là c'est des croiseurs de bataille. Ouais. Ok. Après, ils ont l'air moins résistants que les autres quand même. Non, c'est parce que comme ils sont plus gros, on arrive à mieux les toucher, c'est tout. Ah ok. Plus c'est petit, plus on a du mal. Après moi pas forcément vu que j'ai des missiles du coup bah. Puis après j'ai un générateur de stase du coup comme ça. Parce que le problème avec les petits c'est qu'ils sont souvent plus rapides et du coup avec les missiles bah ça fait moins de dégâts. Ouais. Allez feu. Ouais, je leur fais de 500 damage alors que habituellement j'en fais à peine 200 quoi. Ouais. Ouh, là il y en a encore pas mal là. Oh putain, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est ça, nouvelle vague. Je pensais que par 5. Peut-être m'occuper des croiseurs de bataille. De toute façon, il n'y a que des croiseurs de bataille. Ouais, il n'y a que ça. Non, il y a aussi des croiseurs de bataille. Ouais, en soi, ça fera pas beaucoup de différence. Après, je fais vraiment beaucoup plus mal sur les croiseurs de bataille alors. Comme ça, on sera débarrassé d'eux, ils ont moins de puissance de feu en tout cas. Ouais, c'est les croiseurs de bataille. Y'a intérêt à y avoir du bon loot. Parce que là, la peinture de mon vaisseau, elle est pas chère. Ok. Ouais, c'est ça, bah c'est pour ça qu'il faut être minimum prudent. Alors, même sur les croiseurs, je leur fais quand même beaucoup plus mal. Après j'ai changé de type de missile aussi, ils sont un peu moins résistants à l'EM. Ouais. Il y en a un autre qui vient de popper. Bon, en tout j'ai récupéré un demi-million à peu près moi pour le moment, pas de... incroyable. Il a pas fait le feu. Ceci dit, là, il y a des plus petits, je pense que là, ça va être plus simple. Le fit est trop tanké. Bah ouais. Ouais, mais c'est vrai que j'aime bien jouer comme ça. Tu penses qu'il faudrait que je vire 2-3 tanks et que je mette du head sink à la place et sushi et laser. D'accord. Oui, de toute façon, c'est améliorable. Hein. Bon, ça c'est les frégates, ça devrait faire. Hein. Avec nos drones en tout cas. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça fond tout seul.
Ah, il a commencé à taper un de mes drones là. Oui, c'est dit, finalement, c'était pas toi le plus dangereux. Ouais. Ouais, bah après, nous, Guigui, c'est des petites sessions qu'on fait, donc on privilégie le plaisir avant tout, plus que le farming. Donc, même si on gagne pas énormément, bon, c'est pas très très grave. Qu'est-ce que j'ai chopé là? Ça va, il y a des fois on gagne pas mal quand même. Hein. Oui, des fois on gagne pas mal. Oui, oui, donc là. Bon, c'est avec plus de la chance qu'autre chose, quand même. Ouais, ouais. Je vais pas rentrer mes drones, ça va bien. Quand ils veulent, hein. J'ai ramassé environ 2 millions là pour le moment. Ouais. Ok. Bon, il n'y a plus rien. Si, il en reste un. Oui, il y en a encore un. J'ai vu ça, ouais. Au lieu de se battre pour la même épave. Ouais, nous ça dépend, on ramasse pas systématiquement. Ok, y a rien. On va où après? Que de la merde dedans. Alors, bah. Je ne sais pas. Regarde juste par où ce qu'on pourrait passer. Ouais. Pas finir trop loin. Bah écoute, on va aller en banana. Ok, 2 millions de crédits qui rentrent. Ok, bon. Pour la gate, je vous fais sauter dessus, mais vous attendez que je vous donne le feu vert de l'autre côté. Ouais, ok. Propulseur de warp activé. Ah oui, c'est du 02, ouais. Oui, oui. Oui, par contre, ouais. On va attendre. Ouais. Prospect, ok, bon bah ça va. C'est bon? Ouais, ça va, ça va. On saute. J'ai connu zone plus dangereuse quand même. Ouais. Bon, allez, dimanche matin. Hein. Non, non, bah là il y a, après, nous, il y a une seule personne. Non, là il y a ouais, deux personnes. Ben oui, maintenant il y en a un qui vient d'arriver. On va où là? Bah écoute, on va se faire pour l'instant une petite zone le temps que je scanne le système. Ok. C'est quoi WS déjà, tu dis? Est-ce que tu veux qu'on aille en WS? C'est quoi WS? Wormhole Space. Oui, pourquoi pas. On pourrait essayer un jour, ouais. Après, je sais pas comment c'est, hein, alors.
Mais bon, c'est le genre de choses qu'il faut prévoir dès le début du stream, quoi. Enfin, dès le début de la session, parce que on sait pas où on Ouais, atterrit. Hein. c'est long, je pense. Ouais. Alors, surtout, faites attention, je sens que si je vais vers le truc là-bas, ça va spawn. Faut se préparer Ça là. spawn déjà. Ouais. Oh Ah, punaise, ça des c'est cuirassés! rigolo. Des cuirassés! Ouais, et c'est pas du petit en plus. Ça, ouais, c'est des. On se les fait ou Non, pas? je sais plus comment ça s'appelle. Oh la Tout, vache! surtout. J'ai Non. déjà plus de bouclier! Non, non, vas-y, on y va, on y va, on y va. On se casse où? Prenez la première sortie. Attends, là. La vache, je vais exploser! Oh punaise, c'est pas Vas-y, possible! fort. Ah Ah la non, vache, mince, je il suis à tombe. fond, je suis à fond! Je suis à fond, je vais exploser quoi. J'arrive pas à sauter. Oh punaise, capsule éjectée. Oh mais j'y crois pas, j'ai explosé. Oh la vache, j'ai rien compris quoi. J'ai même. En fait, il m'a bloqué Ouais, complètement. c'est des. Ouais, il t'a scrambled. Je n'ai pas pu du tout m'échapper. J'ai vraiment essayé, mais j'ai pas pu. Ils étaient trois à t'enlever Bon. le. Bon, bah voilà, game Tu pouvais over. plus boucher presque. Ouais. De toute façon, c'était un risque. Hein. Oh la vache, ouais, non mais c'est clair. Non mais je pensais pas que j'allais prendre l'aggro quoi. Bon, heureusement, avec ce qu'on a gagné, tu pourras te Oui, le oui, refit, mais. oui. Oh, c'est pas grave, mais bon, voilà quoi. J'ai rien pu Ouais, faire. Pourtant, je suis parti en bon. warp direct. Mais il m'a chopé avant quoi. En plus, j'ai hésité à partir en warp et franchement, ouais, je pense qu'il faut pas réfléchir non, à ce moment-là. Bon, bah Puis on j'ai vu, fait. en plus, c'était le bon vaisseau. Ouais, Enfin, ouais, RTB, là, hein, comme on c'était. dit. Retour base. Hein. Bon, moi je continue de scanner le système, voir s'il n'y a pas une zone de Ouais. relique, mais ouais, retour basse sinon. Pas de soucis. Pour le coup. Ouais, c'est des vaisseaux, si tu Ouais, veux, ils coûtent 1 là j'ai pas milliard le choix. 300 millions là. C'est clair. Mais les bar guests, c'est des. Propulseur de warp activé. Du coup, je suis à combien là? Je fais combien de sauts, punaise, il me met pas. Non, on porte monnaie. On doit en avoir à peu Fait. près une dizaine, je dirais, je pense. Ok. Je vais repasser en 04. Propulseur de warp activé. Alors, un trou de verre, on ignore. Ah bah tiens, j'avais pas fait de photo avec mon pad. Oui, C'est l'occasion. super. Vive l'occasion. Suis content finalement. Plus avec le magnifique fond cosmique là qu'on a derrière, on va pas se priver. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps d'essayer. Petite question, tu dis Denis, quand vous aurez le temps, j'ai toujours entendu dire que le système économique d'Eve était très chouette à jouer pour les corpos et les commerçants. Mais qu'est-ce qui le différencie d'autres jeux dans ses mécaniques concernant le commerce? Désolé pour le pavé, y a pas de problème Denis, j'aime les pavés. Oh, Bah, ça c'est fait longtemps que je n'en ai pas simple, fait, hein, mais bon. y a rien qui est vendu par des PNJ. Tout est vendu par les joueurs. Donc tout est géré par les joueurs, concrètement, dans le Ouais. commerce. Ouais, donc t'as vraiment. Activé. C'est-à-dire, si les joueurs s'investissent pas, y a pas d'économie, quoi. C'est ça la Exactement. grosse différence, quoi. Il n'y a pas d'économie artificielle, on va dire. Vas-y, c'est ça, rentre-moi dedans. J'ai plus eu le temps de m'arrêter. Bon, au moins on est prévenu que bah c'est pas vraiment des ennemis de Ouais. notre niveau, au moins. Ouais. Franchement, regardez ça. Bah, je me disais que bah Y a pas en belle vrai photo, toi.
Vous pouvez peut-être le faire, vu qu'il n'était pas nombreux, quoi. Mais après, ouais, c'est des cuirassés, quoi. Ouais. Puis ils sont énormes, quoi. Bah, c'est surtout, ils ont scramble directement sur Yotsuya, donc... Ah, c'est clair. Ouais. Là, j'ai pas eu le choix. Ouais, ils sont aussi grands que ça. Ils font 1800 mètres, les le grand plat. Propulseur de warp activé. Ils sont particuliers, leur style, mais en vrai, ça va, j'aime bien. Ouais, mais c'est vrai, Guigui, il y a quand même les PNJ qui vendent des blueprints. Oui, oui, les blueprints, oui, ouais, parce que sinon, tu pourrais pas avoir les matériaux, mais... Ouais. Mais sinon, en dehors des choses basiques, après, c'est... Genre les vaisseaux, il faut que ça soit des sortes qui font les vaisseaux, tout ça, pour en acheter. Ouais. C'est qu'il y a le métier de mineur, hein, c'est justement pour faire les vaisseaux derrière. Mmh, mmh. Par exemple, il y a des vaisseaux qui sont pas en vente juste parce qu'il y en a pas, genre les titans par exemple, tu vas pas en voir en vente quoi. Non, et les T2. Les T2 c'est forcément des objets créés. Mmh. À travers la recherche et le développement, tu crées le T2 ensuite. Oui, ça explique effectivement l'originalité de l'économie. Hein. Là, vraiment, t'as une économie qui est basée vraiment sur l'offre et la demande de ce qu'ont vraiment besoin les joueurs. Quoi. Site de données. Cool. Espérons qu'il y ait un truc de bien. Site de données niveau 2. Propulseur de warp activé. J'adore la finesse des décors, tellement chouette. Ok, bon. Normalement, il devrait y avoir personne, mais bon. Ouais, au cas où. Jamais. Ouais. Après, on est en 0-2, quoi. Hein. Ouais. Normalement, je crois qu'il y a des ennemis que dans les wormholes et en nul, mais... Propulseur de warp activé. Ouais, là, il y a deux joueurs dans le système. Ouais, un qui est arrivé il y a pas longtemps, je crois, et l'autre, je sais pas ce qu'il veut. Ouais, mais il y en a un, alors, il a un prospect, donc ça me fait pas peur. C'est quoi? Un prospect, c'est un mineur spécialisé dans le gaz. Ah, ok, ouais. Oui, c'est vrai, Guigui. C'est vrai que si tu te démerdes bien en économie, tu peux arriver à te payer le prix de l'abonnement. Prospect égale Venture Clock. Ouais, non, c'est ça. J'en ai un, je peux te dire que c'est vraiment vraiment sympa comme mineur. Pour aller dans les zones là comme ça en low et en nul, c'est vraiment sympa. Ouais. T'as pas l'impression qu'on va tomber sur la moi, ouais, moi je farm. Moi j'aime pas justement jouer pour le farming comme ça parce que alors c'est bien d'un côté parce qu'effectivement tu fais ce que tu veux, mais d'un autre côté, là c'est plus tu prends plus de plaisir quoi. Enfin, moi personnellement je prendrais plus de plaisir. Moi ce que j'aime vraiment c'est justement propulseur de warp activé. La contemplade. Donc c'est pas en farmant à outrance que je prends du plaisir. Mais voilà, clairement, c'est sûr Guigui, le plaisir c'est où tu veux. Hein. Alors. C'est sûr. Chacun son truc. Nickel. Ouais, je comprends tout à fait. Oh putain. Tiens. Ouais, non, c'est juste que là, ce qu'il y avait dedans, c'était de la merde. Ah. C'est un niveau 2, bien, bien chiant à résoudre, et non, c'est de la merde. Aïe, 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 aïe. Ok. Propulseur de warp activé.
Merci pour ton raid, lieutenant Holt 50. Sol bienvenu. Oui, sol bienvenu. Soyez le bienvenu. À toi et à tes viewers. Merci beaucoup. Alors là, j'ai 5. Je suis pas assez spécialisé. Les mots, oui. Alors là... la première vue de ce que je vois, ouais. C'était ça. Tu faisais quoi du coup? T'étais sur. Sur Eve également, lieutenant Holt. D'accord. Ah bah alors là, j'ai trouvé la sortie du premier coup. j'ai tiré une ligne droite et c'était au bout de la ligne droite. Ok, pourquoi pas. Moi je m'en sors toujours, mais de justesse. Hein, bon bah là, ça fera un petit 3 millions. Ouais. Bon, c'est déjà ça quand même. Ok. Ah, t'étais sur Biomutant, d'accord. Ouais, il a l'air pas mal ce petit jeu. Ah bah voilà, petite photo, je m'étais encore jamais pris en pod devant la station. Voilà, c'est l'occasion. Demande d'amarrage en plus. Moi j'ai un magnifique skin de pod. Après bon, quand je le vois, c'est pas vraiment par plaisir, je pense. Bon, alors il va falloir ressortir les plans, ressortir le fitting. Et là, en plus, même si t'as assez, je pense que tu peux quand même l'améliorer, peut-être. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Ah bah, je te remercie, Holt. Lieutenant Holt, je te remercie beaucoup. Ah bah, ici, c'est la chaîne des petits vaisseaux, hein. Ou des gros vaisseaux, d'ailleurs. Que ce soit sur Eve, sur Elite Dangerous, sur Star Citizen. Voire même... sur les simus de vol, ouais, comme DCS, World même... ou Flight Simulator, c'est la chaîne où on vole ici. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus sur Star Citizen et Elite Dangerous qu'il y a les gros vaisseaux. Ouais, c'est clair, pour l'instant, c'est clair. Bon, alors, on retourne dans l'équipement. Je ne sais pas si je peux choper l'assurance. Si j'ai mon historique, comment je fais? Je clique dessus. Oui, voilà. Je clique dessus et comment je fais pour reprendre tout ce que j'avais? Rapport de victime. Ok, passe un bon dimanche, lieutenant Holt. Merci beaucoup à toi et à tes viewers. Passe un bon dimanche et à plus. Oui, j'ai Star Citizen aussi, bien sûr. Star Citizen et Eve, mes deux passions. Bah, c'est cool, Zanzafil. T'es sur la bonne chaîne alors. Le Star Citizen, même si ça fait 1-2 semaines que j'ai pas pu jouer, c'est le mercredi soir à partir de 21h et le jeudi après-midi sur la chaîne. L'assurance est un paiement que tu reçois à la perte, oui c'est ça. Donc j'essaie de voir si je pouvais retrouver mon... rapport de victime, je t'ai dit. Oui, oui, c'est ça, voilà, c'est ce que je fais. Voilà, c'est ça. Voilà, pour avoir mon plan. C'est ce que je cherchais. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai tout. Je peux faire la simule montage pour être sûr. Et carbone. Voilà, je retrouve tout. C'est ça. Ok. Bye à toi aussi, Kiki, si tu t'en vas là. Merci beaucoup de ton passage et bon dimanche à toi. Et salut Draxel, pardon. Tu fais pas du PVP sur Star Citizen par hasard? Non, c'est nous, on est vraiment spécialisé dans l'exploration sur la chaîne. Donc on a créé une corporation d'exploration. D'ailleurs, si tu fais point d'exclamation Majex dans le chat avec un G, tu auras accès à notre corpo sur Star Citizen. Dans un sens, on fait un peu de PVP, vu qu'on arrive à se tuer sans faire exprès. C'est clair, c'est clair. Et du coup, merci pour ton follow, Draxel, Khan, Sol, bienvenue à bord. D'accord, bon, bah, ça aurait été facile, tout ça. On n'aurait pas gagné grand-chose. Ok, bon, alors. Ok.
Alors c'est parti. Donc ça c'est fait, c'est bien ciblé. La route vers Amar, elle est où? Je rachète tout. Bon, je perds 11 millions. Oui, mais tu vas gagner beaucoup plus. Mais bon, plus voilà. Après. Est-ce que je peux tout racheter dans la station? C'est ça la question. Oui, normalement, oui. Oh oui, enfin je regarde. Je vérifie bien. Ok, ouais. T'es toujours là, oui, donc t'es toujours dans le coin. Je rachète tout. Ouais. Alors je te fais ce 21 avec millions, moi. 21 millions. Tu vas attendre, comme tout à l'heure, ma validation. Ouais. Là je paye plus cher, mais bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, je commençais un peu à jouer un peu dans le sec, un peu. Pour voir, enfin, pour m'y habituer, quoi. Parce que bon, bah, faut quand même commencer à un moment. Ouais. Bon, il y a une fois où j'ai failli me faire avoir, c'était. J'avais warpé quelque part. Et genre, c'était une grosse team de joueurs. Il y avait au moins 15 joueurs qui étaient rassemblés. Hmm. Ils avaient tous des énormes vaisseaux, tout ça. Bon, je pense que j'ai bien fait de partir assez vite, quand même. Ouais. Moi, ce que je fais en règle générale pour éviter les problèmes, c'est que je fais toujours passer mon alt en pod avant. Ouais. Comme ça, ça okay. Me permet de voir s'il y a pas de problème. Alors oui, pour équiper le vaisseau, faut d'abord que je l'ouvre, c'est ça. Faut que j'aille dans ma soute, dans ma. Tu peux sauter ou pas? Mon inventaire. Oui, oui, si tu peux sauter avec l'avantage. Et puis tu sautes sur Ok, ouais. Donc je retrouve. Il y a une seule fois où j'ai perdu un vaisseau. C'était en nul sec, mais c'était un. Bon, je savais que c'était peut-être une arnaque et j'avais un petit vaisseau de. Enfin, une navette, quoi. C'était genre, il y avait. Dans un endroit, ils avaient mis un. Le vaisseau que j'utilise là, vraiment pas cher du tout, et en fait, du coup, bah, ils attendaient à l'extérieur de la station que quelqu'un sorte avec et... pour éliminer les joueurs. Ouais. Du coup, c'est Pananan ou. Tadadan. Ok. Ok, alors maintenant comment je fais pour reprendre Et puis après, bah c'est route vers Mar. D'accord. Je peux pas remettre mes modules directement? Si, normalement, je dois pouvoir. Il est où mon. C'est dans module. Non, c'est dans vaisseau. Voilà, je l'ai ici. Omen. Si je fais simuler. Comment je fais pour remettre tout mon montage dessus? Simulation de montage. Non, mais j'ai déjà fait ça. Zut, je sais plus comment faire. Équiper le vaisseau. Voilà, ça y est. Ok, ça marche. On rentre à Mar là, du coup, hein? Oui, on rentre à Mar. Ok. J'ai pas pu remettre mes rayons. Je les ai pas ceux-là. Bah normalement j'ai pu les acheter. Donc c'est bizarre. Faut croire que je les avais pas. Bizarre. Ok, j'ai tout là. Ok, j'ai tout. J'ai plus qu'à remettre dans mon hangar personnel. Voilà, les rayons, donc c'était du vert, je me trompe pas. Ah merde, je suis trompé de. C'est pas les bons lasers que j'ai installés? Si, pourtant. C'est bien les intermédiaires. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi je peux pas remettre mes lasers? Mes cristaux, je veux dire. Ah, c'est ceux-là, d'accord, c'est les intermédiaires, j'ai pas les bons. Ok. Là, est-ce que je l'ai? Il doit m'en rester un qui traîne. Non, c'est du 1S. Ah, il m'en manque un. Comment ça se fait qu'il me manque un cristal vert? Ah, il est là. Non, c'est pas sûr. C'est pas ça du tout. Je sais pas, je crois qu'il m'en manque un. C'est bizarre. Ouais, c'est ça, Guigui. Ok. Mais je sais pas pourquoi il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai racheté? Je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai bien tous les autres modules, il n'y a pas de problème. Faut juste que je me rachète
Un laser. Non, je vais pas racheter ça, je vais racheter les cristaux. Il va pas me filer le. Ouais, c'est ça que je veux. Rayon XM. Démonter ça, ça va plus vite. Où est-ce qu'il me l'a collé? Ici. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Ok. Dans la station, c'est bien ça. Ok. Voilà, et là, maintenant ces deux-là, je peux les mettre là. C'est bon, ok. Alors j'avais les blancs avant, Guigui, et j'ai préféré changer pour les verts parce qu'ils ont une portée qui est plus. Comment dire, qui est plus importante. Là il faut que j'approche à 7 km, c'est trop court pour moi. Donc je préfère approcher à 17 km. C'est ce que me permettent les rayons X de type M là, enfin d'intermédiaire. Et du coup. En faisant ça, même je perds un petit peu au niveau des DPS, mais pas énormément. Et je peux attaquer à distance raisonnable. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça fait plus de dégâts. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'avais au départ. Mais là, j'essaye plusieurs options. Et finalement, pour l'instant, les rayons verts correspondent à un petit peu plus à ce que j'aime faire. Mais bon, je pourrais changer plus tard, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, je les garde. Hein. Je les garde. Ok, alors maintenant on va assurer tout ça. Faut que je passe où pour l'assurance? Hop. Clique droit sur le vaisseau et puis. Assurance. C'est ça, assurance, parfait. Connexion d'assurance. Ok, ça marche. Mais c'est vrai que je pourrais les emmener avec moi, Guy, comme ça je pourrais changer la volée. Et merci pour ton follow, Sherman 2, Sherman 2, sois le bienvenu à bord. Alors, on va assurer. Je me mets en basique, quoique. La valeur de paiement, la plus grosse, c'est 14 millions. Sachant que là, ça m'a coûté 21. J'ai peut-être intérêt à prendre du platine. Hein. Pour perdre un peu moins quand même. Hein. Après, c'est comme tu veux. Hein. Parce que là, 21 millions, alors que j'étais remboursé qu'à 7 millions, ça fait quand même une grosse perte, mine de rien. Ouais. Allez, je vais prendre le platine. J'ai jamais fait. On va le faire. Ouais. Ouais, c'est clair, Guy, c'est clair. Maintenant, oui, c'est vrai qu'avant, quand j'avais mon petit coerceur, c'était pas forcément pertinent, mais maintenant, oui. Ok. Bon, bah parfait. Du coup, il est quelle heure, là? Ah, il va être midi. Ouais. Bah, de toute façon, mais il va falloir que je m'arrête là. Mmh, ouais, super, ouais. Ouais. Son âge vient d'arriver à Amar, du coup. Ouais. Bon, alors du coup, je regarde. J'ai perdu tout ce qui avait dans ma soute, on est d'accord? Il n'y avait pas grand chose. Ouais. Il n'y avait pas grand chose. Merci de me le rappeler. C'est rien, c'est toujours un plaisir. C'est vrai qu'il n'y avait rien. Bon, du coup. Alors, on va éviter de regarder les pertes. Regardons les profits. Parce que les pertes, là, j'en ai un paquet. Après, ça arrive, c'est normal. Hein. Voilà, petite récompense à 2 300 000. Qu'est-ce que j'ai fait encore ici? 49, 86, 77. Ouais, 129 000. Pff, vraiment, c'est rien, quoi. Non, petite session, quand même. Ouais, j'ai tout perdu.
Ok. Et ça, c'était hier. Bon, du coup, ça fait un... 2, 3, 4, 5, 6... 1, 7... Ouais, c'est ridicule. Ça fait du 6 millions, peut-être 7 millions d'ISK, c'est tout là aujourd'hui. Attends deux secondes. Oui. T'as ouais. oublié ça, la vente. C'est vrai, la vente. 25 millions, merci. Alors, je viens de recevoir le message comme quoi j'ai bien reçu le paiement, mais ça n'apparaît pas dans mes transactions. Faut que je les mettre à jour. Ouais. Oui. D'accord, ok. Il n'y a pas une touche de rafraîchissement directement quand on est déjà dans le portefeuille? Non, on peut pas. D'accord, faut fermer et rouvrir. Même là, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de touche de rafraîchissement. Ok. Oui, quand même, Asylum, il fallait que je vous fasse un petit feu d'artifice avant de partir. Bah, de toute façon, c'était soit il le faisait à la fin, soit il le faisait au début, comme la dernière fois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, la dernière fois, oui, c'est la semaine dernière. Oui, effectivement. Ok. Bon, bah c'est cool. Allez, sur ce... Donc, bah, je vais arrêter le stream ici. Prochain stream sur Evoline, ce sera donc samedi prochain. Comme tous les samedis matin et dimanche matin sur la chaîne, on fait du Eve Online. Prochain, par contre, rendez-vous sur la chaîne, c'est ce soir à partir de 21h sur Elite Dangerous Odyssey, bien sûr, avec le DLC Odyssey. Même si on n'a pas encore tous les équipements avec le commandant Nakamura, je ne sais pas si tu seras là, Link. Est-ce que tu es dispo ce soir? Peut-être. Peut-être? D'accord. Bah écoute, hein, si tu es dispo, il n'y a pas de problème, tu passes. Et puis, on est toujours en train de faire notre voyage d'exploration vers le centre de la galaxie. Mmh. En espérant qu'on ait plus de problèmes de Blue Cobra. Ben, c'est clair, j'espère. En tout cas, ça avait l'air d'être réglé, là, cette semaine. Donc, il faut espérer que ça continue. Qu'on n'ait pas de problème de connexion avec les serveurs, puisque les serveurs souffrent, là, avec, le... avec l'arrivée du DLC Odyssey. Mais voilà, quoi. Donc, ce sera le prochain rendez-vous sur la chaîne. Et j'ai hâte de rejouer à Elite Dangerous. En sachant que, avec mon nouveau planning, là, on va avoir une session supplémentaire aussi le lundi soir sur Elite Dangerous. Donc, c'est cool. On va pouvoir passer un petit peu plus de temps sur ce voyage d'exploration et arriver plus vite. Au lieu de passer 8 mois, on passera 4 mois. Voilà, c'est ça. Pour arriver plus vite au centre de la galaxie et se choper les équipements qui nous manquent là du DLC Odyssey. En espérant qu'elles y soient. Ouais, en espérant qu'elles y soient dans la station. C'est pas gagné parce qu'en termes de combinaison, c'est un peu du aléatoire. Ouais, j'aimerais bien qu'on ait au moins accès aux outils d'exploration, qu'on puisse scanner au sol les... Oui, mais ça dépend entièrement de ta combinaison en fait. Bah oui, mais donc c'est vraiment la surprise quoi. Je sais pas ce qu'on va trouver dans cette station qui est au centre de la galaxie. Mais il n'y en a pas d'autres plus proches. Là où on est vraiment loin de tout. Donc, impossible de savoir. Bah de rien, Denis. De rien. Passez un très bon dimanche à tous. Et puis, moi, j'ai le rôti qui m'attend. Donc, je vais pas tarder. Mmh. Hop. Moi, c'est moi qui dois préparer le rôti. Ouais, bah oui. Donc, bah oui, je vous dis à plus. Ok, à plus. Merci pour ton follow, Styx. Prana, sois bienvenue à bord. Et donc, prochain stream sur F, ce sera samedi prochain. Ciao tout le monde. Et passez un très bon dimanche, encore. Ciao tout le monde. On va passer un bon dimanche, hein. Voilà. Salut. Salut à tous. Ciao. Ciao. Salut.